Allez, faut se jeter à l'eau. N'ayez pas peur de dire n'importe quoi, c'est pas grave. Ben, pourrait y avoir un meurtre. Ah oui, un meurtre pour un roman noir, c'est un bon début. C'est obligé qu'il se passe ici, le roman. L'intérêt de cet atelier, c'est un peu de vous permettre d'écrire sur votre ville, sur votre environnement immédiat. Un roman, c'est une fiction. On va pas écrire en se renfermant sur nous-mêmes ou en se regardant dans une glace, c'est con. Pourquoi est-ce qu'une écrivaine comme vous, elle viendrait perdre son temps ici avec nous? J'ai pas l'impression de perdre mon temps. Je suis là parce que ça m'intéresse, c'est tout. Alors c'est à nous, nous nationaux, d'incarner le génie français. On lutte pour une culture qui aujourd'hui est mise en danger par ce métissage galopant. Ça, on sait très bien ce que ça veut dire quand quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Oh ta gueule. Il ne pensait plus. Il a ouvert son sac, a sorti une calache, et avant que personne ne puisse réagir, il a tiré. La vue du sang semblait même lui donner le courage de continuer. Putain, t'as de la javel dans la tête ou quoi, gros? Tu parles comme ça, ferme ta gueule, arrête de sourire. Au risque de vous choquer, je trouve que le texte d'Antoine, pour un premier jet, est plutôt bien écrit. C'est raciste, vous le défendez? Non, je le défends pas. J'essaie juste de comprendre. Au fond, je suis persuadée que t'es beaucoup plus intelligent que ce que t'essaies de faire croire. Ça, c'est ce que vous vous racontez. Vous vous intéressez à moi parce que je vous fais peur.